Bonjour à tous, aujourd'hui le club de l'Ultramarin vous propose de la PPG, c'est de la préparation physique générale, un petit circuit training, c'est-à-dire quelques exercices qui vont faire travailler les groupes musculaires. Et en période de confinement, on reste à la maison, mais on fait du sport et on garde la forme. Alors, pas de matériel particulier, si ce n'est un tapis de sol. Voilà, donc si vous êtes prêts, on commence tout de suite. On va commencer par un petit échauffement. On va faire du jumping jack, c'est-à-dire des sauts jambes, et on va monter les bras. On est parti pour une petite minute. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. Allez, on change. On va faire maintenant des montées de genoux. Montées de genoux, on monte bien les genoux. Je vous montre. Allez, on est dynamique. On fait des montées de genoux. Ça fait monter le cardio. On a le dos bien droit. Et on monte les genoux. Et on souffle. Et on saute. Maintenant, on va faire des petits sauts, comme si on était avec une corde à sauter. On peut aller sur le côté. On peut aller devant, derrière. On souffle. Tenez bon. C'est bientôt fini. C'est juste l'échauffement. Voilà, on ralentit un petit peu. Voilà, une petite minute d'échauffement. Maintenant, on va prendre 10 secondes pour souffler. Et on va commencer par des squats. Travailler les cuisses. Alors, les squats. On met les pieds parallèles, la largeur du bassin. Et on va descendre les fesses en arrière, comme si on s'asseyait. On est parti pour 10. 1, je vais me mettre 2, profil. 2, 3, 4, 5, 6. Les genoux ne doivent pas dépasser la pointe des pieds. 9, 10. On prend 10 secondes et on va refaire une série. On est parti. Je me mets face à vous et on repart. 1, 2, 3, on souffle, bien, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On prend 10 secondes, on prendra 10 secondes entre chaque exercice. On respire et on va partir pour des fentes avant. Alors, si c'est trop dur pour vous, on peut s'appuyer sur un mur. Donc, le but, on fait un grand pas en avant et on va descendre le dos droit. Et on va essayer de toucher par terre. Si vous n'arrivez pas à descendre, vous descendez juste un petit peu. On part pour 10. 2, 3, 4, 5. 6, 7, on souffle, 8, 9 et 10. On change de côté. Et on est parti. 1, 2, 3. La pointe du genou ne doit pas dépasser la pointe du pied. C'est important. 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, on prend 10 secondes. Et on va aller chercher le tapis de sol. Donc,
on va installer son tapis parce qu'on va faire ce qu'on appelle du gainage. Et notamment la planche. Alors, très important de bien se placer. Donc, on se met à genoux. Voilà. On va se mettre. Alors, je vais peut-être me mettre de l'autre côté, comme ça, de façon à se voir. Donc, on met les coudes au sol et on essaye d'avoir le dos bien plat, pas des positions comme ça, ni trop avachies. Alors, on respire bien, on pense à des choses positives, on fait du sport, on est à la maison, on reste dynamique. On rentre le nombril, on essaye de bien gainer au niveau du bassin et surtout, on reste bien à plat. Donc ça, c'est la planche droite. Ensuite, on fera sur chaque côté. Donc top, voilà, on peut revenir, juste comme ça. Si vous voulez, vous pouvez tirer un petit peu, vous étirez.